un coiffeur ou une coiffeuse, si c'est une femme, est la personne qui vous coupe les cheveux. Un coiffeur ou une coiffeuse travaille donc dans un salon de coiffure. Une librairie est un magasin dans lequel on peut acheter des livres. Attention, pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, il ne faut pas confondre librairie avec le mot library, qui en français se traduit par bibliothèque. En effet, librairie en anglais se traduit par bookstore. Une bijouterie est un magasin dans lequel on peut acheter toutes sortes de bijoux, comme par exemple des bijoux en or ou des bijoux en argent. Une boutique de vêtements est un magasin dans lequel on peut acheter différentes sortes de vêtements, comme par exemple des robes, des t-shirts ou des pantalons. Une fois par année, chacun d'entre nous fête son anniversaire. Et généralement, lorsqu'on fête un anniversaire, on doit trinquer. En France, lorsque l'on trinque, on dit généralement à la tienne, lorsqu'on s'adresse à une seule personne, ou alors à la vôtre, lorsque l'on s'adresse à plusieurs personnes. En France, parfois, à la fin d'un repas, on peut prendre un digestif pour nous aider à digérer. Un digestif est un petit verre d'alcool fort, comme par exemple en Chine, le baijiu. Vous verrez que pour visiter la France, parler le français est beaucoup plus pratique. Donc continuez d'étudier et allons-y pour le dialogue numéro 3. Adrien, j'ai entendu dire que tu avais rencontré quelqu'un. Félicitations. Merci. Oui, elle s'appelle Julie et elle est coiffeuse. C'est elle qui te coupe les cheveux? Oui, c'est pratique. Et tu travailles toujours dans ta librairie? Oui, mais depuis que j'ai rencontré Julie, je passe plus de temps dans les bijouteries et les boutiques de vêtements qu'à lire des livres. Merci à vous deux d'être venus pour mon anniversaire. À la vôtre. Merci à toi, Adrien, et joyeux anniversaire. À la tienne. Adrien, j'ai entendu dire que tu avais rencontré quelqu'un. Félicitations. Dans ce dialogue numéro 3, Adrien et ses deux invités sont à table. Ils sont en train de dîner et ils sont en train de parler de leur vie respective. Ils parlent de leur vie respective, signifie que chacun des individus, chacune des personnes, Adrien, Louise et le troisième, et la troisième personne, parlent chacun de leur vie respective. Ensuite, Louise dit à Adrien qu'elle a entendu dire qu'Adrien avait rencontré quelqu'un. Elle dit « j'ai entendu dire ». J'ai entendu dire signifie ici qu'elle a probablement entendu quelqu'un d'autre lui dire qu'Adrien avait rencontré quelqu'un. Entendu dire. C'est une expression très courante que l'on utilise en France pour dire à quelqu'un, j'ai entendu dire que tu avais rencontré quelqu'un, j'ai entendu dire que tu avais fait ça ou ça ou ça. J'ai entendu dire. Merci. Oui, elle s'appelle Julie et elle est coiffeuse. C'est elle qui te coupe les cheveux? Oui, c'est pratique. Et tu travailles toujours dans ta librairie? Oui, mais depuis que j'ai rencontré Julie, je passe plus de temps dans les bijouteries et les boutiques de vêtements qu'à lire des livres. Ici, Adrien explique que sa copine, sa petite amie qu'il vient de rencontrer, est coiffeuse. Et lorsque Louise lui demande est-ce que c'est elle, est-ce que c'est cette
petite amie, cette petite copine, qui coupe les cheveux à Adrien. Adrien répond à Louise que oui, il dit « c'est pratique ». C'est pratique, évidemment, car Adrien n'a pas besoin d'aller dans un salon de coiffure pour se faire couper les cheveux, puisque sa petite amie peut lui couper les cheveux. Il n'a pas besoin, donc, de payer pour se faire couper les cheveux. C'est donc très pratique. Ensuite, Adrien explique que depuis qu'il a rencontré sa petite amie, il passe plus de temps dans les bijouteries et les magasins de vêtements qu'à lire des livres. En effet, Adrien travaille dans une librairie. Il lit beaucoup, mais depuis qu'il a rencontré Julie, sa petite amie, il passe plus de temps dans les bijouteries et dans les boutiques de vêtements, car Julie probablement le pousse à aller dans ces endroits, le pousse à aller acheter des bijoux ou alors à aller acheter des vêtements. C'est donc pour cela qu'Adrien explique qu'il passe plus de temps dans les bijouteries et dans les boutiques de vêtements qu'à lire des livres. Merci à vous deux d'être venus pour mon anniversaire. À la vôtre. Merci à toi, Adrien. Et joyeux anniversaire. À la tienne. Ici, à la fin du repas, Adrien a amené une bouteille de digestif. Et Adrien et ses deux invités s'apprêtent donc à trinquer. Ils vont trinquer. Lorsque Adrien parle à ses deux invités, qu'il les remercie d'être venus à son anniversaire, il s'adresse à deux personnes, à ses deux invités. Il dit donc « à la vôtre ». En revanche, lorsque Louise s'adresse à Adrien, elle s'adresse uniquement à Adrien pour lui dire « il n'y a pas de quoi » et « joyeux anniversaire ». Elle s'adresse à une seule personne, Adrien. Elle lui dit donc « à la tienne ». Donc, lorsqu'il y a plusieurs personnes, comme nous l'avons vu, nous dirons « à la vôtre ». Lorsqu'il y a une seule personne, nous dirons « à la tienne ». On peut noter également que si l'on trinque dans un contexte plus formel, comme dans un contexte professionnel, on dira également « à la vôtre », même si l'on s'adresse à une seule personne.